Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu, je ne vous le dis pas, c'est marqué dans la vidéo. aujourd'hui, on se retrouve sur The Crew. Aujourd'hui, petite vidéo sur The Crew. Aujourd'hui, je vais vous faire comme d'habitude. Alors, j'ai déjà fait ce qui était préparatif et puis tout ça parce que j'avais pas envie d'attendre 15 jours et vu qu'il neige sur The Crew, c'est sélectif au niveau du temps. Alors, pour vous dire, normalement j'avais atteint le platine de la semaine dernière. Je suis redescendu à argent. Je m'en doutais, de toute façon, soit j'atteins argent, soit or. J'arrive jamais en platine, vu que je fais jamais toutes les courses. Et la plupart du temps, il y a vu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des courses en platine et tout ça, donc ils arrivent à faire des meilleurs scores, tout ça, donc c'est clairement, moi j'ai aucune chance sur le platine. Mais de toute façon, le platine, la plupart du temps, comme vous le voyez, là, pour cette semaine, bon, nous avons donc du en bronze, donc des follow, nous avons en argent des packs de pièces de Tarchier. Alors, pour ceux et celles qui jouent souvent à The Crew, alors pourtant moi je joue depuis un moment, mais dites-moi à quoi ça sert ces pièces-là, là, parce que clairement les boulons, à part quand on utilise pour détruire une pièce, ça devient ça, mais est-ce qu'on peut faire des pièces avec, est-ce que dans le futur, est-ce que The Crew a décidé de faire des trucs un peu avec ou pas, parce que là clairement là c'est zéro pour le moment, on n'a rien du tout à faire. Bah moi j'ai rien trouvé pour le moment, donc si dans les commentaires vous pouvez m'expliquer en détail ou même me dire à quoi ça sert, ça serait très sympa. En or, nous avons des pièces légendaires. Et en platine, nous avons un truc rétro qui a l'air super moche. Donc voilà. Et pour la semaine prochaine, donc nous aurons une Menzara RX7. Ok. Une pièce légendaire en argent et des follow. C'est moi où il y a moins de follow sur cette saison, sur cette semaine. Ah ouais, il y a moins de... Une semaine sur deux, il y a moins... Ah bah non. La semaine prochaine, il y aura plus de follow. Bon, allez, on se lance. Pas d'ellipse, pas de coupure. Peut-être quelques trucs au montage. On verra. Allez, c'est parti. On ne met pas 2 heures non plus à faire une vidéo sur ça. J'espère que moi ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. En lien de description pour ceux et celles qui veulent rejoindre le Discord, parce que j'ai vu que pas mal de personnes s'abonnaient et que vu qu'il y en a certains, ça s'affiche pas en fait. Je préfère vous le dire. Ça ne s'affiche pas et des fois je suis obligé de poser la question ou quoi que ce soit. Donc si ceux et celles qui n'ont pas vraiment de YouTube attitré, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de YouTube sous leur nom, ce qui peut arriver, ça ne met pas les noms quand vous vous abonnez. Alors ce qui serait bien, c'est que quand vous vous abonnez ou quoi que ce soit, vous laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça va aligner. Ok. Je pense qu'il n'y aurait pas de voiture. Je prends celle que j'ai l'habitude de prendre. Je suis sûr que j'y arrive. Et là, le truc, c'est que vu qu'il neige. Youpi! Youpi! Oula, c'est quoi cette fuite là? Je suis à moitié dans le désert. Alors par contre c'est horrible. Parce qu'en plus de ça c'est blanc.
C'est blanc, on voit pas la route. Ah ouais, mais. Ouais, par contre, elle a pris une accélération, la machine. Je sais pas si elle avait pas bugué ou quoi, mais je l'ai vu passer au-dessus de moi comme si c'était une fusée. Ouais, non, mais c'est pas possible. Il faut être en tout terrain pour aller tout droit. Mais là, le truc, c'est que vu que c'est blanc, eh ben, on voit rien. Ça, par contre, c'est horrible parce qu'ils auraient pu faire clairement quelque chose de mieux. Quelque chose de plus favorable, en fait. Et le truc, c'est que là. Là, clairement, c'est nul, quoi. C'est nul à chier, quoi. Il reste 6 jours restants. Je suis déjà. Je suis en platine. Je suis en platine. Mais le truc, c'est que je redescends à vue d'œil. Hein. On regardera les classements à minimum, combien il faut être pour être en voiture. Pour être en. Oh merde. Aérobatie. Oh bah ça va, c'est pas. Ou l'autre. Bah oui, en bas. Alors moi qui aime pas les avions, vous l'avez en face. Le pilote de l'avion le plus nul à chier. Alors le truc c'est que ils auraient fait des courses à minimum potable en avion. Un peu comme les avions où vous passez des checkpoints en mode ballon gonflable, machin. Ça aurait été beaucoup plus sympa avec des vrais marqueurs parce que le truc c'est que là quand il neige, bah, vous voyez rien. Clairement, c'est horrible. Clairement, c'est Non, y a même pas de, y a même pas de. Oh bah tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Non, 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 non. Non, c'est nul à chier, c'est mal fait, c'est voilà, c'est fait à la pisse, c'est tout. Donc on va faire, on passe en mode course. Oh bon, bah vous avez le droit au 3. Donc voiture bien sportive. Est-ce qu'on peut m'afficher mes bagnoles, s'il vous plaît? En plus, j'ai des pièces. Je vais prendre la Deluxo. Je vais prendre ben, mon bateau. Et je vais prendre. Je suis à 230 là, 230 là. J'ai quand même beaucoup plus de facilité avec la Ford. Donc, je vais prendre la Ford. Mais normalement, je le laissais derrière parce que vu que c'est des catégories premières. Normalement, je le laisse derrière. Quatrième, je sais pas si je l'ai déjà fait, moi, le quatrième. J'en ai déjà fait pas mal de pistes comme ça, mais je sais pas si j'en ai déjà fait. Mais je pense que je l'ai déjà fait parce que tout terrain. Je sais plus. Je sais plus du tout. Poussez-vous de là, vous. Alors, je pense qu'il y aura double. Il y aura double vidéo parce que là, ça va être du très long. Donc je pense que vous aurez le droit à une double vidéo.
Putain, tourne. Je suis obligé de m'aider des rambardes parce que sinon la déluxo tourne plus. Parce que j'ai dû mettre un truc où j'ai changé des pièces qu'il fallait pas et puis bon, avec la neige, je suis pas vraiment serein. J'aurais peut-être pas dû prendre celle-là, mais bon. J'ai plus de facilité avec celle-là, même si je prends les murs. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de youtubeurs qui vous fait des vidéos comme ça. C'est vrai que je regarde souvent, c'est... Il y a des Français, donc je fais un coucou à ceux qui ont l'habitude de faire des vidéos sur ce jeu, donc Mafia Stunting, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est... Et tourne! Bah oui, mais... Ah, je suis concentré, hein. Je suis désolé de rien dire. On a plus le soleil qui est en pleine gueule. Je crois pas que je l'ai faite celle-là. Parce qu'elle ne me dit rien. Et habituellement, une course, quand je la fais, quand je la refais, elle me dit quelque chose. Donc là, clairement. Bah ouais, mais... Voilà, oula, oula. Doucement, doucement. Doucement, je suis arrivé comme un gros bourrin. Surtout qu'en plus celle-là, elle est nerveuse. À froid. À froid. Ouais, parce que là, dès que vous allez un peu trop vite, vous retombez dans le trou, hein. Alors, tu tournes? Moi, ce qui me plairait, c'est de le faire avec des personnes qui sont expérimentées. Pour voir... Alors, des personnes expérimentées, hein. J'appelle ça des personnes expérimentées, c'est ceux qui arrivent à faire au minimum 6 minutes, comme moi. 6-7 minutes, voire peut-être un peu moins, mais pas un chrono qui dure dans les 3 minutes parce que c'est impossible dans les 3 minutes. On regardera
Le dernier, mais je suis sûr et certain que quand on va regarder, il y en aura un qui aura au moins fait 3 minutes et des bananes. Donc, voilà. Et puis ça me compte la course. Ah, c'est cool ça. Alors, voyons voir un peu le classement. 4 minutes 29. Bon, j'ai pris les rochers. J'ai pris les rochers en bateau. Bref, 4, ouais. 4,29, faut en avoir quand même dans le capot quand même, hein. 29, pourtant moi j'ai déjà, à part le bateau qui n'est pas amélioré à fond, heureusement, parce que le bateau j'ai du mal à le piloter. Clairement, 4,29, je trouve que c'est un peu exagéré. Moi j'appelle, alors peut-être que je suis mauvaise langue, je sais pas, mais clairement, moi j'appelle ça de la triche, parce que clairement, atteindre 4,29 comme ça, sans quoi que ce soit, je pense que c'est un peu exagéré. On en a fait 3. Bah écoutez, prochaine vidéo qui sera un peu plus tard. Je tourne à la suite. Cette vidéo, donc normalement, sortira comme d'habitude à 17h30. Et la deuxième sortira pour 18h. 17h30, 17h30, 18h, 19h. Peut-être vers 20h le jeudi. Comme ça, vous aurez une double vidéo sans avoir de suite. Comme ça, si vous voulez regarder petit à petit, bah, vous pourrez regarder petit à petit. Donc, on se dit à tout à l'heure. Et bah, moi, je vous dis à tout de suite parce que bah, je continue à tourner. À tout de suite.